Monsieur Jean-Marie Blanc, Madame Marie-Claude Bompard, Madame Sylvie Bonifaci, Madame Françoise Bouclet, Madame Marie Calero, Madame Laure David-Giton, Madame Laurence Desfonds-Fargeon, Monsieur Hervé Flaugère, Monsieur Juan Garcia, Monsieur Jean-Louis Grappin, Monsieur Jean-Marc Garinos, Madame Myriam Gutiérrez est excusée à donner pouvoir à Madame Françoise Bouclet, Madame Florence Jouve-Lavolée, Monsieur Jean-Pierre Lambertin, Monsieur François Lucas, Monsieur Jean-Yves Maréchal, Monsieur Denis Mossi est excusé, Monsieur Christian Perron, Monsieur Joël Racamier, Monsieur Claude Raoux, Madame Cathy Ricard est excusée à donner pouvoir à Monsieur François Lucas, Madame Bruna Romanini, Monsieur Benoît Sanchez, Madame Anne-Marie Souffeton est excusée à donner pouvoir à Monsieur Hervé Flaugère, Madame Virginie Vicente, Monsieur André Vigli. Alors, concernant cette séance du 18 octobre, qui est une séance assez courte, puisque c'est une séance de régularisation et qui concerne notamment la question des procès-verbaux de la compétence transport et mobilité. Mais la première question nous oblige à nommer un secrétaire de séance. Il est proposé Monsieur Benoît Sanchez, qui s'abstient. La Ligue du Sud, qui est contre, dossier adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. La question numéro 2, il s'agit de l'approbation du procès-verbal du 20 septembre 2022. Est-il des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud, qui est contre, dossier adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. La question numéro 3, il s'agit de dons d'ouvrages dans le cadre d'opérations de désherbage au sein des bibliothèques intercommunales du Résin. Et il est proposé, justement, de m'autoriser à ce que je puisse signer tous les documents nécessaires au suivi de ce programme de désherbage au sein des bibliothèques du réseau intercommunal à faire don d'ouvrages. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. La question numéro 4, il s'agit du remboursement de parts sociales Crédit Agricole dans le cadre du transfert du syndicat des digues. Monsieur Perron, vous avez la parole. Donc, concernant le remboursement de parts sociales Crédit Agricole, la CCRLP est propriétaire de la part sociale du Crédit Agricole qui sont issues de la dissolution du syndicat des digues. L'emprunt qui était lié à ces parts sociales a été soldé par le syndicat avant sa dissolution. Il n'y a aucun intérêt donc à le conserver à l'alimentaire de la communauté de communes. Le conseil communautaire est donc appelé à valider la cession de ces parts sociales pour un montant de 127,50 €. La commission des finances a mis un avis favorable à cette question. Monsieur le Président. Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Les questions suivantes sont liées à l'approbation des procès-verbaux, des mises à disposition dans le cadre de la compétence transport et mobilité. Et on commence par la commune de Bolène. Monsieur Perron. Donc, effectivement, les questions de 5 à 9 donc, sont également toutes les mêmes. Ça concerne l'approbation des procès-verbaux de mise à disposition des biens dans le cadre de la compétence transport et mobilité. Alors, la question numéro 5 concerne le procès-verbal de Bolène. Vous avez pu consulter en pièce jointe à la convocation le procès-verbal établi pour la commune de Bolène. Celui-ci reprend les éléments relatifs aux équipements liés au transport et à la mobilité, conformément aux délibérations du 16 février et du 6 avril 2021. Il est donc proposé d'approuver le procès-verbal de Bolène et autoriser le président à signer toutes les pièces nécessaires à ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud qui est contre. Dossier adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. La question 6, c'est pour la Motte du Rhône. Alors, procès-verbal de la Motte du Rhône, donc également, vous avez pu consulter donc, en pièce jointe à cette convocation, donc le procès-verbal établi pour la commune de la Motte. Celui-ci reprend les éléments relatifs aux équipements liés au transport et à la mobilité, conformément aux délibérations du 16 février et 6 avril 2021. Il est donc proposé d'approuver donc, le procès-verbal de la Motte et autoriser, Monsieur le Président, à signer toutes les pièces nécessaires au dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud qui est contre. Dossier adopté à l'unanimité, je vous remercie. La question suivante, il s'agit cette fois de l'APALU, Monsieur Perron.
Alors, concernant le procès verbal de la Palud, donc c'est également comme celui de la Morte de Bolène, vous avez pu consulter en pièce jointe à la convocation de son procès verbal établi pour la commune de la Palud. Celui-ci reprend les éléments relatifs aux équipements liés au transport et à la mobilité, conformément aux délibérations également du 16 février et 6 avril 2021. Donc, proposé d'approuver le procès verbal de la Palud et auto-autorisé, bien entendu, Monsieur le Président, à signer toutes les pièces nécessaires à ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud, qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité, je vous remercie. Question suivante, il s'agit de Mondragon. Alors, le procès verbal pour également pour Mondragon, donc vous avez pu consulter donc, en pièce jointe à la convocation, le procès verbal établi par la commune de Mondragon. Celui-ci reprend les éléments relatifs aux équipements liés au transport et à la mobilité conformément aux délibérations du 16 février et 6 avril 2021. Il est donc proposé d'approuver ce procès-verbal de Mondragon et autoriser le président à signer toutes les pièces nécessaires au dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud, qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. La question suivante, il s'agit cette fois de Mornas. Alors, concernant le procès-verbal de Mornas, vous avez également pu consulter la pièce jointe à la convocation. Le procès-verbal établi la commune de Mornas, celui-ci reprend les éléments relatifs aux équipements liés au transport et à la mobilité, conformément aux délibérations évoquées ci-dessus, 16 février et 6 avril 2021. Et il est donc effectivement proposé d'approuver le procès verbal de Mornas et d'autoriser Monsieur le Président à signer toutes les pièces nécessaires à ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud, qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité, je vous en remercie. La question suivante, il s'agit de l'approbation de la mise à jour de l'accord cadre relatif à l'organisation du temps de pause. Donc il est rappelé la modification de l'accord cadre qui porte sur deux points, les temps de pause et les congés. Sur la question des temps de pause, je vous rappelle que le décret sur les temps d'intervention, qu'ils soient d'astreinte ou de travail, sont publiés par un décret et que nous avons l'aménagement du temps de travail qui doit aboutir à travailler 1607 heures par an. Le décompte pour y parvenir, c'est 365 jours par an, 104 jours de repos hebdomadaire par an, 8 jours fériés légaux, 25 jours de congés annuels pour un agent à temps complet, ce qui fait 228 jours travaillés. Et sur la question des congés, on est venu modifier, repréciser que bien évidemment, lors d'un congé maladie, les temps de pause sont, enfin les congés sont reportés, pardon. Voilà, sur ces deux éléments, y a-t-il des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud, qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité, chers collègues. Je vous remercie pour ce conseil communautaire. Le prochain conseil communautaire aura lieu le 15 novembre. Je vous souhaite une très belle soirée.